Je suis Fatoumata Alassana Sissoko, je suis ingénieur Big Data ou Data Ingénieur à Orange Mali depuis 2019. En ayant une équipe qui a plusieurs hommes et femmes, cela permet vraiment d'avoir de l'innovation et de la créativité lors de l'élaboration des différents produits. Alors le deuxième point, c'est d'avoir vraiment d'être vraiment représentatif au niveau produit, parce que les utilisateurs finaux sont des hommes et des femmes, et en ayant des hommes et des femmes dans une équipe, cela permet de mieux tailler un produit en fonction de l'utilisateur final. Le troisième point, c'est il permet de vraiment réduire le biais du genre au niveau de l'entreprise. Lorsque les femmes font partie du milieu décisif de l'entreprise, il y aura une meilleure stratégie technologique qui embarque tout le monde. Et voilà. Pour ma part, dans le secteur de l'ingénierie, ce que je fais beaucoup de fois, c'est de vraiment encourager les jeunes filles autour de moi à embrasser les métiers technologiques et à leur montrer toute la panoplie de possibilités qu'ils peuvent faire avec la technologie. Et je participe assez souvent aussi à des panels, à des conférences où je suis panéliste pour toujours encourager les jeunes filles dans la technologie et dans les sciences des maths. Une femme doit faire deux fois plus qu'un homme pour préserver sa place et pour prouver aussi que ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on n'a pas de matière à réfléchir. C'est le plus grand défi auquel j'ai eu à faire. C'est aussi de ne pas se mettre dans une posture de victimisation, c'est-à-dire il ne faut pas se mettre dans une posture « ok, parce que je suis femme, on me dit ça, on me fait cela ». C'est des défis auxquels tu dois vraiment faire face tous les jours, c'est se dire je suis humain, ils sont humains et on va agir en tant que tel pour mieux avancer.